À tous, on se retrouve dans un nouveau vlog. Je vlog ma semaine à l'école. Là, on va à Carrefour chercher à manger pour ce midi. Je vous expliquerai en rentrant un peu le projet qu'on doit faire et tout. En tout cas, je suis trop contente de mon groupe et je suis trop contente de ce qu'on va faire. Donc voilà, en route. Bah, on va manger dans la salle, on arrive. Je sais pas quoi prendre. Non, je vais mettre du son. Mais non, ça va pas tomber. Regarde. Bon, j'ai pris une petite salade. Il est 17h55, bientôt 18h. Je suis dans ma voiture, je viens de rentrer, d'arriver à l'instant. J'ai eu cours aujourd'hui, j'ai eu une petite première journée de séminaire. Je vous ai un petit peu vlogué ce que j'ai fait, mais sans trop vous expliquer ou sans trop vous montrer dans les détails. Là, en rentrant, je compte vraiment vous parler du projet qu'on doit faire, etc. Et du coup, vous expliquer vraiment sur quoi on va partir. Voilà, de toute façon, vous allez le voir demain, après-demain, enfin toute la semaine jusque vendredi. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer cette semaine. Moi, j'aime trop les personnes avec qui je suis tombée. On bosse bien, on a une bonne organisation. Et j'aime bien le projet en soi, ou en tout cas l'idée qu'on a choisie. Enfin, vous allez voir, je vais vous expliquer en rentrant. Du coup, là, il est 18h, je vais rentrer chez moi. J'ai 2-3 petites choses à commencer. Je vous en parlerai plus tard également. Et je dois aussi terminer un petit projet perso. Enfin, je dois vraiment bosser sur mes projets perso. Donc, demain après-midi, je vais vraiment charbonner sur le perso plutôt que de bosser sur mon projet de cette semaine. C'est pour ça que je vais vous en parler un petit peu, mais je vous en parlerai plus demain après-midi, je pense. Voilà, j'espère qu'en tout cas vous ça va. Je sais qu'il y a des personnes qui sont en vacances, moi j'ai pas de vacances là, j'en aurai que cet hiver, enfin pour Noël. Bref, je vais rentrer, j'ai hâte de rentrer, j'ai faim. Ce midi j'ai mangé une salade, vous avez vu, mais ce matin j'ai pas pu manger de porridge parce que j'ai pas eu le temps. Donc là j'ai vachement faim et ce soir je sais même pas ce que je vais manger, je pense que je vais même pas manger. C'est pour ça j'ai hâte de rentrer, de me faire mon petit porridge et puis voilà. Bref, en tout cas trop contente de vous emmener avec moi cette semaine, ça me fait trop plaisir. J'adore ce genre de vlog où je vous montre un petit peu ce que je fais à l'école et surtout que ça peut en aider plus d'un à savoir un peu ce qu'on fait en design graphique. Ouais, j'avais eu un échange avec une fille qui m'avait dit qu'elle aimait trop regarder ou voir un peu mes vlogs comme ça, enfin des vlogs sur différentes études, et en fait elle était en médecine et du coup elle me disait bah ça me permet de voir un peu ce que les autres font et c'est trop cool. C'est pour ça moi aussi j'aime trop regarder des vlogs de personnes qui sont en médecine ou en psycho ou je sais pas en animation ou des trucs comme ça, enfin j'aime trop. Bref, en tout cas j'espère que vous kiffez, moi je kiffe, et puis on se retrouve après, je rentre. Mercredi, journée terminée, on a bien bossé. Voilà, je vous montrerai. Quoi, qu'est-ce que c'est? C'est fou de ça, de s'arrêter comme ça juste parce que je filme. Ouais. Moi ça m'énerve. C'est quoi? Mais elle filme? Oh là là, la honte. Bref, on a bien bossé, je vous montrerai en rentrant ce qu'on a fait. Et voilà, là il est 13h, on vient de finir, je rentre. Je dois aller chercher un colis. Voilà quoi. Bref, en tout cas mon outfit, trop beau. Petit pull en mohair, petit jean Bershka, grand manteau Zara, mon sac, Gina Tricot comme d'hab, mes ballerines H&M. Et oui, je me suis posée dans une classe pour montrer mon outfit. Y'a quoi maintenant? C'est bon, t'as fini? On y va.
Bon, on se retrouve quelques temps après, j'ai fini mon projet. Je voulais vous en parler un petit peu parce que c'est vrai que j'ai pas pris le temps de le faire à chaque fois que je rentrais chez moi, enfin après les cours. Mais de toute façon, j'avais pas du tout le temps de vous en parler et puis j'étais vraiment fatiguée. Donc voilà. Du coup, j'étais en séminaire d'éco-branding. On devait inventer une marque pour un sportif, un ancien sportif. Et en gros, la prof nous a fait piocher, enfin tirer au sort un sportif. Et on a eu une archère. Son prénom est un peu dur à prononcer, donc je vais pas m'y mettre. Voilà, sinon dans les commentaires, je vais me prendre des trucs en mode oui, tu prononces mal le coréen parce que c'est une archère coréenne. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait. Je vous mettrai à l'écran des images de l'avancée du projet. Du coup, la première étape, ça a été de trouver des axes. On devait en trouver trois différents sur trois potentielles idées de marques ou de produits à créer. Enfin, c'était assez large, du coup, on était assez libre. Ah oui, mais j'ai pas précisé, j'étais en groupe avec deux filles de ma classe et ça s'est hyper bien passé. Enfin, on a trop bien bossé ensemble. Enfin, on s'est comprises toutes les trois et ça a été trop cool de bosser avec elle. Donc si jamais j'ai un autre projet dans l'année, je pense que je me remettrai avec elle, enfin c'est sûr. Chacune de notre côté, vu qu'il y avait trois axes à trouver, on s'est mise à faire des recherches toutes les trois pour chacune donner une idée. Donc Anna, elle était partie sur l'idée d'une gamme de produits, enfin d'un produit. En fait, on avait mis les produits consommables dans le même panier en gros, mais c'était un peu la facilité hyper basique et on se disait que tout le monde allait faire ça et en plus, bah nous, créativement parlant, ça nous parlait pas trop, enfin il y avait pas vraiment de lien avec l'histoire de cette fille et tout, donc on n'a pas choisi ça. Le deuxième axe, c'était celui de Léa, qui était une retraite spirituelle et coaching. Donc là, je sais pas, j'ai eu un peu plus d'enthousiasme en le disant, donc on a choisi celui-là. Et en gros, c'est une retraite, enfin c'est une retraite d'une semaine, enfin un coaching d'une semaine, où il y a à la fois du tir à l'arc et à la fois des techniques, je sais pas, de méditation, de trucs comme ça, un peu spirituel, un peu autour de la santé mentale. Le but, c'était de rassembler les deux sujets parce que en Corée, en gros, ils sont très dans la technique, dans la finalité, apparemment. Ça, c'est d'après toutes les recherches qu'on a fait. Ce qu'ils veulent, c'est le résultat. Ils sont hyper concentrés. Il y a beaucoup de pression là-bas par rapport à ce sport parce que quand on a une médaille olympique, on a une prime à vie. Et c'est pour ça qu'ils mettent grave la pression, bah, parce que tout le monde veut aller aux Jeux Olympiques, tout le monde veut gagner une médaille et tout le monde veut avoir de l'argent jusqu'à la fin de sa vie. Donc, ils s'en foutent un peu de la santé mentale et tout. Justement, l'archère, enfin la fille qu'on a tirée au sort, elle racontait que elle avait arrêté parce que ça n'allait pas très bien mentalement et qu'après elle avait repris, mais que du coup, genre là-bas, ils oublient totalement comment tu vas mentalement quoi. Ce qu'ils attendent, c'est le résultat et si tu tires dans le mille, forcément. Bref. Donc on voulait allier les deux et ça collait bien avec le storytelling. Bon là, je l'ai raconté de façon très brève. Hein. Forcément, j'ai pas tous les mots en tête. En vrai, on a bien tout rédigé. Enfin, je vous mettrai des photos à l'écran. Mais voilà, pour cet axe-là, c'est un peu. On l'a beaucoup plus poussé en fait. C'est celui qui nous a paru le plus cohérent directement. Et le dernier, du coup, c'était le mien. J'étais partie sur un truc un peu plus créatif. Enfin, en fait, la prof, elle aime bien quand il y a des choses qui vont dans tous les sens. Et donc moi, je m'étais dit, bah, on va faire un jeu société. Je sais pas pourquoi, mais du coup, mes inspis, c'était des couleurs très très flashy. Et de toute façon, je vous ai mis les moodboards à chaque fois, donc vous voyez un peu l'ADA. On n'a pas choisi celui-là non plus parce qu'en fait, fallait pas oublier que le but du séminaire, c'était de travailler de façon éco-responsable, donc dans toute notre démarche. Bah, en fait, ça collait absolument pas avec le but du séminaire parce qu'il fallait bien réfléchir aux couleurs qu'on allait choisir, à la façon dont ça allait être, je sais pas, imprimé si on faisait des affiches, au papier qu'on allait utiliser, à l'encre qu'on allait utiliser. Il y avait le taux d'ancrage et tout qu'il fallait bien regarder. Bref, donc on est parti sur l'axe 2. La prof était grave hypée par le concept. Et puis surtout, on l'avait bien emmené avec nous quand on lui a raconté ce qu'on voulait faire par rapport au storytelling. Qu'elle était contente. Et donc, on est parti sur notre valeur sûre. Une fois qu'on avait fait les mood boards, on a pu mettre en place la charte graphique et la direction artistique en général. On avait bien sûr les livrables. Donc, fallait qu'on réfléchisse à déjà des affiches, des posts pour les réseaux sociaux, ni des bonus. Donc, nous, on a choisi du coup d'intégrer quand même un produit qui aurait été utilisé pendant le coaching. Ça, c'était notre idée bonus. Moi, je m'occupais de faire la charte graphique et la direction artistique en général. On avait toutes les trois fait des recherches de logos, enfin des inspirations et tout. Et on a choisi mon logo. D'après nous trois, c'était plus cohérent que je me mette sur la charte graphique. Comme ça, genre, je leur donnais les infos et tout. Et puis, elle pouvait bosser sur d'autres choses. Donc, Léa, elle avait fait les affiches et du coup, tous les mock-ups, voilà. Et Anna, elle avait fait les posts pour les réseaux sociaux, l'idée bonus. Et après, il y avait quoi d'autre? Je crois qu'il y avait un dernier truc. Ah oui, voilà, il y avait une insertion presse. Et moi, je me suis occupée de faire la DA en général et le PowerPoint de 40 pages. Voilà. Bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être super long. Mais je vous mets à l'écran ce qu'on a produit. En vrai, moi, je kiffe. Je trouve qu'il y a une vibe assez intimiste et en même temps assez créative. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'aimais trop le fait que ce soit en duochromie. Ça, c'est hyper éco-branding. Donc, la prof avait kiffé. Et c'est à peu près tout. Je vais pas
rentrer dans les détails du projet, de pourquoi on a choisi le bleu, pourquoi on a choisi l'orange, pourquoi on a choisi de faire ce logo, etc. Je vous emmène avec moi cette semaine pour que vous voyez un petit peu ce qu'on fait. On est hyper contente de ce projet. Les trois, on a kiffé cette semaine-là. C'est passé hyper vite. J'ai adoré ce projet. Je vais le retravailler un petit peu pour le mettre dans mon portfolio parce qu'il est vraiment cool. On en a fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'étais trop contente de vous emmener avec moi en cours. J'adore faire ça. Enfin, je l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais j'aime trop faire ça des semaines où je vous emmène avec moi en cours. Là, vous avez vu, j'ai pas filmé toute la semaine non plus parce que il y a des jours où j'avais cours que le matin et donc c'était pas hyper intéressant, sachant que on était vraiment sur notre ordi en train de faire des recherches ou quoi. Donc c'est un peu long. J'ai essayé vraiment de regrouper l'essentiel. Sinon, ah oui, j'ai oublié de dire. Nous, l'oral s'est très bien passé. Mis à part qu'il y a une fille de ma classe à la fin qui a fait une réflexion inutile d'ailleurs. C'était pas très professionnel. Et donc moi, vraiment, je l'ai encore ici. Mais mis à part ça, ça s'est bien passé et je suis contente. Ah oui, et aussi, j'ai galéré à envoyer ma présentation de 40 pages là. En fait, j'avais juste fait la mauvaise manip. J'ai trouvé à la fin, donc au bout de... Enfin, j'avais tout recommencé. Hein. J'ai trouvé à la fin qu'il fallait juste que je clique sur un bouton, que j'enlève genre un paramètre sur Illustrator. Voilà, au moins je le saurai pour la prochaine fois, mais j'ai le seum par rapport à ça. Mais voilà, sinon, à part ça, c'était trop cool. J'en ai fini, j'ai plus rien à vous dire par rapport à cette semaine et à ce séminaire. Prenez soin de vous, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.